Ça fait quoi comme partie là? Oh là là. C'est de On la cherche des chasse. animaux. C'est de la chasse. Oh, t'es du poulet. Il y a des putains de poulets dans la forêt. C'est quoi ce bordel? Ah, faut savoir lire une carte hein. Vu que là, t'as le ah marqueur. Ouais, t'as pas de GPS, t'as que dalle hein, c'est du gros redneck à la boussole. Il y a un prêtre qui chasse avec nous aussi. Ouais, c'est moi. Pour les animaux. Tu vas te faire radier de l'ordre des... du clergé. Tu tires sur quoi là au juste, Shamanix? Combien ça m'a fait de kill là, hein? T'as eu quoi, Shamanix? Un poulet blanc au milieu de la forêt. Ah merde, ça c'était un allié par contre. Désolé. Oh putain la vache! Oui, je l'ai eu! Bon, la vache, c'est la proie facile en même temps. C'est gros, ça bouge pas. Oh banane! La vache, je crois que c'est un point normalement. Et le plus difficile, c'est le lapin. Ouais, tu es les joueurs de l'équipe adverse ou pas? Je oui. Pense, mais par contre, si on a tous les mêmes modèles, ça va être très difficile de faire la différence entre les alliés et les ennemis. Ouais, je m'en fiche, moi, dès que j'en vois, je tue. Bah, vous dites que vous êtes américain, en fait. Il y a un avion. Qu'est-ce qu'il fout là? Survolé là. Qu'est-ce qu'il a largué, je sais pas. J'ai pas visé une vache. Il a largué des chèvres. Des chèvres? Sans déconner. Non, non, je déconne, je déconne. Ah, regarde, il largue des mecs en parachute. Ah non, c'est des animaux. Ouais, c'est ouais, des animaux. Si, si, il largue des animaux aussi. Ah, ouais, vache, il y a une vache en parachute. Je la vois, ouais, j'ai pas la regarde, il largue. Ah, y'a un spy, Bon, on peut pas tuer les gens. On peut pas les tuer, ça fait quoi? Bah, j'ai tiré 3 balles sur un mec et il a rien vu. C'est qui le mec au fusil à pompe là qui bat partout sur qui j'ai tiré là? Appuie sur espace en fait, la touche pour donner des ordres et ça te permet d'avoir le pseudonyme de la personne que tu vises là. Hey, j'ai pas encore vu un seul sanglier, je suis dégoûté. Hey, j'ai rien vu non plus hein. Ouais, pour l'instant j'ai vu surtout beaucoup de poules. Pas de Bigfoot, pas de lapin. Moi non plus. Ah, pas de lapin non plus. J'aurais bien aimé voir un bon sanglier, ça doit rapporter masse. J'espère qu'il peut nous charger le sanglier et nous blesser. Donner un petit peu une chance aux animaux quand même. C'est quoi qu'on voit pas son nombre de kills? Et bah, ouais, Bardo, ton truc. Hein. Je pense que le créateur de la mission, il a voulu privilégier la coopération et pas le score personnel. Mais la coopération à la chasse. Bah, il y en a qui fait la battue et l'autre qui tire comme un psychopathe. Moi, je suis le psychopathe. Coq, repéré. Et l'autre qui prépare les vins. Les verres de vin. Il m'a fallu 3 chargeurs pour tuer une vache, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est que t'es mauvais, c'est tout. C'est une fusil à pompe, elle est à 2000 mètres, non? Non, sniper. Ça rapporte bien en plus les coques. Salope. Mais un conseil pour voir des animaux, arrêtez-vous et mettez-vous en mode zoom. Ah bah oui, clairement. On ouais, peut même en viser normal, moi je les vois de loin. Tu check les environs, là, tu peux en trouver parfois qui sont planqués dans les fourrés. Notamment les poules. Mais moi je vois rien, y'a rien dans votre forêt là, et vous êtes sûr que vous êtes en train de tirer? Vous avez pas pris des champis, vous êtes en train de tirer sur des... Ah, oui, ah certains, non, ouais, je peux dire que j'ai eu une chèvre, deux coqs, un poulet. Est-ce que t'es bien dans la zone aussi? Et deux vaches. Ouais. Je crois, ouais. Si, si, je suis dedans. En plus, y'a un avion qui nous largue de la viande fraîche de temps en temps, donc tu devrais en voir si tu regardes le vache spotted. Vache down. Cool down. Bon, je descends vers la vallée. Hein. Fais gaffe à pas de sortir de la zone. Hein. Direction est. Ah ouais. Pour rester. Moi, j'essaie vers de trouver plutôt. Des munitions. Ah mais alors pour arriver à les choper sur la map, bonne chance vieux. Hein. Bah, en fait, une petite astuce pour vous repérer. Avec la boussole, vous repérez un point culminant, un sommet ou n'importe quoi. Et comme ça, en connaissant l'orientation, vous pouvez évaluer votre position. Ouais, pas con. Ah ouais, mais bon, c'est difficile. Non, non, c'est pas difficile, tu regardes un sommet, tu regardes en fait un truc particulier, une montagne le plus haut possible, et tu regardes l'angle que t'as sur la boussole. Après tu vas sur ta carte, tu vois la montagne avec le sommet le plus élevé que t'as repéré, et tu calcules l'inverse pour la boussole, et tu connais ta position à peu près approximative. Et les sommets ils ont des numéros. Ouais, les sommets ont des numéros qui indiquent leur hauteur en fait.